Pourquoi est-ce qu'on tourne notre verre de vin avant de le sentir? On se pose beaucoup la question de où est-ce qu'on coupe la capsule quand on ouvre une bouteille. Salut, là je suis dans un rayon vin dans un supermarché et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On se pose beaucoup la question de où est-ce qu'on coupe la capsule quand on ouvre une bouteille. Si on se met en haut ou sur le cran d'en dessous. Mais moi perso, je fais en dessous, comme ça. Hop. Et dites-vous, quelque chose quand c'est placé dans un supermarché, c'est pas anodin. Genre ça et ça. Ça s'appelle du déstockage, messieurs dames. Le fait de tourner son verre comme ceci permet d'ajouter de l'oxygène dans le vin. Donc quand on fait ça, les arômes vont être beaucoup plus volatiles, aériens. Et t'as beaucoup plus de chances de le sentir. Pour faire plus simple, tu sens beaucoup mieux les arômes. Par contre, si ton plat est très épicé, ton palais aura besoin de douceur. Et là, je te conseille d'aller sur les moelleux, type Jurançon ou Coteau du Layon. Faut que je te dise un truc. Ah ouais, c'est un secret. Personne ne doit savoir pourquoi. Parce que je t'aime pas, hors de ma vue. Tu t'es vu, t'as cru qu'on était potes. Waouh, c'est bien mieux comme ça.